Le choc passé, il faut profiter de cette pandémie pour réfléchir aux choses essentielles de notre vie. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et cette pandémie, ben, m'a surtout permis de faire rejaillir un projet que je caressais depuis des années et des années. Avec Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, le tout premier One Woman Show de Guylaine Tremblay, la comédienne veut se raconter à travers les chansons d'Yvon Deschamps. Moi, le matériel principal pour ce spectacle-là, c'est les chansons d'Yvon Deschamps, parce que ces chansons, je les trouve magnifiques. Et c'est des chansons où on nous dévoile le côté tendre, toute l'humanité d'Yvon Deschamps. Restons là sans bouger, sans nous tenir la main. Essayons d'oublier. Guylaine Tremblay est bien sûr allée rencontrer le principal intéressé, et c'est avec les yeux brillants qu'elle se remémore ce moment. Par courriel, je lui avais dit je veux aller vous voir pour vous parler d'un projet. T'sais, alors, je suis arrivée à la campagne, Judy et Yvon étaient là, ils sont tellement généreux et accueillants, et moi, j'étais tellement nerveuse, très fébrile. Alors, on a parlé, puis il m'a regardé avec ses beaux grands yeux qui contiennent toute l'humanité, puis il m'a dit Guylaine, je suis honorée que tu fasses ça. Alors là, j'ai dit non, non, vous comprenez pas, là, c'est moi qui est honorée, c'est moi qui est honorée, tu sais. Mais il m'a donné vraiment toute sa confiance, il m'a dit vas-y, je te fais confiance, j'ai hâte de voir ça. La comédienne a déjà amorcé le travail d'écriture et espère pouvoir le présenter, comme prévu, dès le mois d'août 2021. Comme elle le dit elle-même, un spectacle en solo est un projet qui est le plus susceptible de pouvoir se faire dans le contexte actuel. Je me dis, bon, rendu où je suis rendu, à l'âge où je suis rendu, je veux faire les choses qui m'allument complètement et ce projet-là m'allume des pieds à la tête. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, s'arrêtera au Théâtre Capitole dans un an. Les billets seront mis en vente à compter de vendredi.